contribuer à la prise en compte des jeunes et des femmes dans le processus de refondation, mais également de contribuer à ce qu'il y ait un éveil de conscience par rapport au danger qu'il y a de mettre les jeunes et les femmes de côté, lorsque c'est les jeunes qui sont majoritaires dans notre pays. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place par rapport au contrôle de la mise en application des recommandations des ANR. Nous allons œuvrer à ce que les jeunes soient pris en compte dans ces mécanismes. Nous menons des plaidoyers pour que dans les réformes politiques et institutionnelles en cours, que les jeunes et les femmes soient pris en compte. D'alerter les autorités sur la nécessité d'impliquer les jeunes hommes et femmes dans les instances de prise de décision et même dans les processus de mise en œuvre de ces instances-là. Il y a un défi aussi à relever à ce niveau-là, parce que la jeune femme a aussi ses propres problèmes dans la société, parce que quand on parle de jeunes, tout de suite, ce sont les jeunes hommes qu'on voit. Consciemment, on passe tous aux jeunes hommes, alors qu'en réalité, quand on dit jeunes, ce sont les jeunes hommes et les jeunes femmes. Politique et de la société civile. Tous les jeunes qui se sentent concernés par ces questions de refondation du Mali, ces questions de paix et de sécurité aussi, parce que tout est lié à la paix et à la sécurité. Tous les jeunes qui se sentent concernés par la marginalisation des jeunes au niveau de notre pays, que tous ces jeunes-là puissent nous rejoindre afin qu'on chemine ensemble et afin qu'on puisse faire des plaidoyers pour l'atteinte des objectifs qui est l'adoption du quota pour les jeunes et qui est aussi le renforcement du processus de refondation dans notre pays.